Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dead or Alive sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Donc, il y a une porte avec une clé verte ici. Le passage menant hors du donjon sont scellés. Et la porte vers le bureau s'est aussi refermée. Nous sommes coincés ici. On va aller se remplir en énergie.
l'abdomen de Roi Crapaud. Si tu fais vite, tu peux l'avoir.
Après, je suis pas trop sûr où y aller, là. Ah là. Je t'ai déjà dit, corbeau-faube, tu peux te brosser si tu espères me détrôner. Le roi du marais, c'est ainsi qu'on me nomme. Depuis que je règne, le marais a été nettoyé et la vie prospère dans ses eaux. Les enfants de la forêt et leur mère étaient simplement un obstacle au progrès. Ça n'a rien de personnel. Je m'adapte simplement au monde que tes maîtres et moi et toi avaient créé. Tu as vu comment c'est, là dehors? Un vrai désastre. Un terrain vague. Et aucune âme ne vient ici depuis que ta commission a bouché le système. C'est du beau travail, corbeau fourbe. Ça sent vraiment mauvais par ici. Je l'ai pas vu. Non, je l'ai vu de trop tard.
Slack me. Chaud au début, ça vaut pas la peine. T'es pas supposé te faire toucher les deux premières étapes. Alice!
mérite, c'est jouer de même. Je vais pourrir dans un donjon pour l'éternité. Ici, c'est plein de saleté, de crasse et de grenouilles. Thank you.
Avaris. Cadeau d'un collègue corbeau pour t'aider dans ta quête. Sort de bombe obtenu. Appuie sur la flèche pour passer au sort de bombe. Thank you.
On dirait un journal abandonné par un faucheur. Un événement sismique important a été détecté dans la région entourant le port de la mort. La porte de la mort. On nous a ordonné de sceller toutes les portes et de mettre un terme à toutes les missions dans la région. Il y a encore beaucoup de faucheurs, mais les ordres viennent de très haut, alors je ne poserai pas de questions. Mais je me demande ce que vont devenir les corbeaux qui étaient encore là-bas. Tu es allé partout, hein? Tes portes sont dans tous les coins. Un petit oiseau m'a dit que tu es même fini dans le bureau du grand chef. C'est vraiment bizarre. Je me demande si quelqu'un a trafiqué la porte. Ta porte. Ancienne porte de chauffe-faucheur. Ne fonctionne pas, c'est probablement une maquette de porte fabriquée il y a très longtemps. On dirait un journal abandonné par un faucheur. Mon collègue n'est pas rentré d'une mission de routine. J'ai voulu franchir sa porte pour voir s'il allait bien, mais elle était fermée, sur ordre de la direction générale apparemment. J'ai envoyé une demande au siège, mais ils m'ont certifié que c'était la procédure normale et que l'affaire était classée. Toujours pas de nouvelles de mon collègue. La dernière fois que nous avons déjeuné ensemble, il m'a dit qu'on l'avait chargé d'aider une puissante sorcière. Ça l'avait un peu inquiété avant de commencer, mais c'était en fait une gentille grand-mère. Je me demande si elle a un lien avec la fermeture de la porte. J'espère qu'il va bien. Petit Piaf a sauvé Brutus. Remerciera toujours Petit Piaf. Thank you.
Le corbeau fourbe n'abandonne pas facilement, hein? Tu sais, là-dehors, je n'étais qu'un crapoussin dans une grande mare, mais ici, je suis au sommet de ma chaîne alimentaire. Et mon plat préféré, ce sont toutes ces âmes égarées. Tu as du pain sur la planche, faucheur. Mes sujets vont te voler dans les plumes. Ce soir sera tout au corbeau. En dessert à Paris-Brest, le chef ferait de très chouettes Paris-Brest. Donc, c'était tout pour l'aventure du caribou canadien, live sur la chaîne pour le jeu. OK. J'arrive.